Bonjour la fraîcheur. Vraiment, l'homme est méchant. Ce que cette femme l'a fait au pitié. Si on vous raconte ça, vous n'allez pas dormir la nuit. Hey! Le petit a perdu ses parents. Du coup, il s'est retrouvé chez sa tante. Arrivé chez sa tante, Satan a commencé à le maltraiter, ainsi que ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa tante, elle a des enfants. Et elle et ses enfants se sont associés ou s'associent pour maltraiter le petit. Le petit que vous voyez là-bas. Et c'est ce qui se passait. Elle frappait l'enfant. Elle faisait dormir l'enfant dehors sous le froid. Et ça, les voisins ont remarqué cela. Mais au départ, ils ont cru que c'était de la blague. Jusqu'à ce qu'un jour, l'un des voisins trouve l'enfant dans la poubelle en train de chercher de quoi manger. Genre, quand la femme prépare la nourriture. Elle sert à ses enfants et elle empêche le petit de manger avec eux. Donc le petit, comme il a très faim, il est obligé de se retrouver dans la poubelle. Essayer de voir ce qu'il peut trouver dans la poubelle pour se mettre sous la table. Non! Si ça, c'est pas la sorcellerie, c'est même quoi? Ça, c'est quelque chose de méchanceté, ça. Ça, c'est quelque chose de méchanceté, ça. Ce que cette femme-là a fait à ce petit est vraiment méchant. Et ça continuait. Un jour, il y a l'un de ses voisins qui a vu ça. Il y a un des voisins qui a vu le petit. T'es la poubelle en train de chercher de quoi manger. Il dit, ah mon petit, tu fais quoi là? Viens. Le petit arrive à lui. Il dit, mais ah, ça c'est quoi ça? Bon écoute, tiens 1000 francs. En fait, tiens 1000 naira. Un peu comme 1000 francs. Je ne sais pas combien ça fait en euros, mais vous pouvez calculer. Il dit, tiens, va t'acheter de la nourriture. Dès qu'il a donné l'argent au petit. On ne sait pas par quel moyen sa tante a vu le monsieur remettre de l'argent au petit. Ce jour-là, de la manière à frapper le petit. Ouais, lui-même, il avait du mal à y croire. Hein? Et ça continuait. Quand elle va au boulot, elle laisse le petit dans la maison. C'est le petit qui fait tout. Il nettoie tout. Il barra, il fait tout ce qui existe et n'existe pas. Il nettoie tout. Mais ce qu'il gagne comme récompense, c'est ça, manger dans la poubelle, être frappé. Et quand il explique la maladie, elle et ses enfants le font même, c'est étonnant. Elle dit que il commence par ma tête. Plutôt, l'enfant là, il dit que la femme et ses enfants là. Il commence par sa tête. Prenez sa tête pour cogner le mur. Regardez comment sa tête est devenue. Prenez sa tête pour cogner le mur. Et il s'associe pour le frapper. Ça, c'est quelle souffrance, ça. Ça, c'est quelle souffrance, ça. Parce que sa mère n'est plus. Aujourd'hui, on comprend que les morts ne peuvent pas parler. Si vous, de votre vivant, tout le monde avait peur de vous, le jour où vous serez mort, votre corps, les gens vont mâcher là-dessus. Et regardez ce que l'enfant subit. Un jour, ça a dépassé le niveau au point où les voisins ont décidé d'appeler les gens de l'assistance sociale. Voici comment ils sont venus sur le lieu et
Ils ont trouvé l'enfant. Ils ont révélé l'enfant. Il avait les mains gonflées comme ça. Enflées, les deux mains enflées. Il dit, mais qui t'a fait ça? L'enfant ne veut pas parler. Qui t'a fait ça? L'enfant ne veut pas parler. J'ai appelé sa tante. Il dit, madame, s'il vous plaît, venez. Pourquoi est-ce que l'enfant est-il dans cet état? Elle dit, non, il n'y a rien. Elle n'a rien fait à l'enfant. Elle ne touche pas l'enfant. Vous connaissez les sorcières. Elle dit, elle n'a rien. Elle ne touche pas l'enfant. Elle n'a rien fait à l'enfant. Tout ça, tout ça. Elle dit, ah, donc il n'a rien fait à l'enfant. Et puis l'enfant est dans cet état juste comme ça, par magie. Sérieux? Ça, c'est de la blague ou quoi? Ils étaient là, en train de la regarder. Ils lui ont dit ce qui est sûr. Vous allez vous rendre devant les autorités. L'affaire va se poursuivre là-bas. Maintenant, quand ils l'ont écarté, ils ont appelé l'enfant. Ils ont dit à l'enfant, écoute, il faut témoigner de ce que tu as fait. Dis-nous tout. Parce qu'à l'instant, tu es aujourd'hui là même, là, tu quitteras sa maison. Tu ne vas plus habiter ici. Tu vas nous suivre. On va partir avec toi. C'est là l'enfant a décidé de tout vomir. Et il a raconté ce que je vous ai raconté. La souffrance de ça. La souffrance de ça. Voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Elle réagit comme une mère chat. Une mère chat qui aime uniquement ses enfants, mais qui aime uniquement ses petits, mais qui déteste les petits d'une autre chatte. Vous voyez, non? Les chats, je ne sais pas si vous savez ça, mais une femelle chat A accepte difficilement les petits d'une femelle chat B. Maintenant, comme ici nous sommes dans le cas des humains, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que nous sommes dans un cas de pure sorcellerie. C'est la sorcellerie pure et simple. Parce qu'un tel niveau de méchanceté, ça n'existe pas. Ça, c'est de la méchanceté pure et simple. Ah! C'est à cause de ces gens-là que Dieu a détruit la terre dans le passé. C'est à cause de ces gens-là. Et ils sont de retour encore en 2021. Récent en 2021, ne nous suivez pas en 2022, hein, vous là. Laissez vos comportements mauvais en 2021, ne nous suivez pas en 2022, hein, ça. Là où on s'en va là. Déjà parce que Dieu ne peut pas agir ou que Dieu ne voit pas ses enfants. Voici, les voisins ont vu ça, ils ont dit, affaire, oh, affaire. Si on ne fait pas quelque chose, on va te retrouver l'enfant là mort un bon matin. Il faut qu'on appelle l'assistance sociale. Et les gens ont appelé. Dieu merci, que Dieu bénisse les gens qui ont appelé l'assistance sociale. On ne peut pas voir les gens, les enfants souffrir comme ça. Même si nous sommes en Afrique. Quand même, il faut qu'on apprenne à se respecter. Vraiment, c'est dommage. Si vous êtes une mère et que vous faites ça au champ, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, mes amis, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Il y a beaucoup de choses à faire. Surtout dans la prochaine vidéo, vous serez surpris parce que vous allez voir. C'est parti.